sortir de là? Désolé, je n'avais pas prévu tout ça! Il ne reste plus qu'à espérer qu'elle arrivera à temps! Salut tout le monde, écoutez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, sur Star Wars The Force Unleashed 2, ou Le Pouvoir de la Force 2 en français, pour l'épisode 3 du walkthrough. Alors, on s'était quitté avec la libération du général Kota. Et donc voilà, je vais vous laisser profiter. On avait déjà vu un petit peu la cinématique qui nous amenait sur Dagobah. Voilà, je trouvais sympa de remettre la cinématique de fin de l'autre épisode au début de celui-là. Suivant ce que vous me direz, je le ferai à chaque fois ou pas. Je vais vous laisser profiter de ça, et puis on se retrouve à notre arrivée sur Dagobah. On m'a élevé dans une cuve pour prendre sa place. Attends, c'est ce que Vador t'a dit? Oui. Je n'y crois pas. On ne peut pas cloner un Jedi. C'est impossible. Et je ressens une grande puissance en toi. Nous pourrions essayer d'en tirer profit. Vous ignorez tout de moi, qui je suis, ou encore ce que j'ai vécu sur Kamino. Kamino, si tu pouvais fournir des informations à l'Alliance sur le centre de clonage, nous pourrions lancer une attaque d'envergure. Non, je veux juste... J'ai besoin d'un endroit pour penser à tout ça. Pour méditer. Pour te cacher. Jusqu'à ce que je la trouve. Nous sommes en guerre, et toi tu cherches un endroit tranquille pour méditer. L'Alliance se fera tailler en pièces pendant que tu arpenteras les forêts de Kashyyyk, ou que tu exploreras les cavernes de Dagobah. Tu laisserais la galaxie courir à sa perte pour te retrouver? De quoi parlez-vous? Oh. Je ne sais pas. De rien. Va là où tu l'entends. Tu peux prendre le vaisseau, de toute façon il t'appartient, non? Mais dépose-moi dans l'astroport le plus proche avant de partir errer dans les étoiles. Tant pis. Voilà donc, comme vous pouvez le voir, notre héros qui s'appelle Starkiller va se séparer du général Kota pendant un temps pour aller sur Dagobah. Donc planète bien connue des amateurs de Star Wars pour sa petite escapade, du moins pour la petite escapade de Luke sur Dagobah dans l'Empire Contre-Attaque et par la suite dans Le Retour du Jedi, planète où l'on voit Yoda mourir. Il a pris un bon départ. Trouvez la fille et ramenez-la moi, puis son tour viendra. Il me faut un escadron de Stormtroopers prêt à se sacrifier. L'Empire vous donnera tout ce que vous demandez. Je sais. Hop, notre cher ami Boba. Boba Fett. Lui, je crois que c'est le personnage que j'ai quand j'étais gamin. Pour la première fois que j'ai vu les Star Wars, je crois que c'est le personnage que j'ai vraiment le plus détesté. Que je l'ai toujours trouvé très très lâche. Et donc effectivement, les autres Star Wars étant sortis, ça ne m'a pas aidé à aimer ce personnage-là. Malheureusement. Allez, nous voilà sur Dagobah. On va essayer d'avancer un petit peu. Alors d'accord, le personnage dans la cinématique descend, et là ils nous font retomber du vaisseau. Ouais, donc je suppose que c'est par là. Ah, ça va. On dirait un monstre, un des avec les deux yeux. Hop, et bref, on n'est pas là pour ça. Donc là, il n'y a rien. Et donc là, il n'y a rien non plus. Voyons voir. Une grotte. Ah ! Notre ami Yoda, la première apparition de Yoda.
Une cinématique. Bah écoutez, je vous laisse en profiter et on se retrouve après. Vous gardez l'endroit ? Oh non, pour observer, je suis là. Alors je peux passer ? Jusqu'ici, t'es pas ton conduit. C'est que tel est ton destin. Vous savez ce que je cherche ? Ce qui est perdu. Et tu pars de toi-même. Ce que tu cherches, en toi, tu le trouveras. Ici le capitaine Eclipse. Protocole défensif activé. Enclenchez vos boucliers. Envoyez une patrouille au VR. Jusqu'au bout de la galaxie, s'il le faut. Eh bien, ma foi, ce fut quand même une courte apparition de Yoda. Vraiment très courte, hein. Il a dit, a tout cassé 5 phrases. Et bon, on sait maintenant que Starkiller va essayer de suivre ce qu'il a vu, qui était une prémonition, et donc d'essayer de sauver Juno. Donc là, on doit arriver sur le vaisseau sur lequel se trouve Juno. Vous pouvez remarquer que ça ressemble vraiment, c'est vraiment très très bien modélisé. Ça ressemble à la frégate médicale dans laquelle on peut retrouver Luke. À la fin de l'Empire contre-attaque, quand il perd sa main, quand il va affronter Dark Vador, regardez. On peut même se souvenir que le Faucon Millennium vient accoster dessous. Donc voilà, c'est vraiment très très ressemblant. Hein. Il y a quand même pas à dire, il y a un gros travail de modélisation. De ce point de vue-là, au niveau univers, ils sont vraiment pas loupés. Jusqu'à présent, je trouve que le jeu est plutôt sympa à jouer. Faudra voir un petit peu au niveau de la difficulté, voir si c'est pas trop facile en normal ou peut-être trop dur suivant les passages. Parce que quand on voit le passage avec l'espèce de grand machin dans l'épisode 2 là, c'est quand même assez costaud. Donc à voir si. C'était quand même que le deuxième niveau, donc un monstre comme ça dans le deuxième niveau, qu'est-ce que ça va être sur le dernier? Bon,
À mon avis, dernier niveau, ça sera soit Dark Vador, soit l'Empereur. Que je suis un clone. Je ne sais pas. Ce qui est quand même assez particulier pour ceux qui ont fait le premier épisode, parce qu'on sait que... Enfin voilà, je vais faire un petit peu de spoil. Pour ceux qui n'auraient pas fait le 1 et qui seraient tentés de le faire, coupez le son pendant une quinzaine de secondes. Voilà, à la fin du 1, c'est vrai que on a le choix soit d'affronter Dark Vador pour rejoindre l'Empereur, soit de se mettre à côté de Vador pour affronter l'Empereur. Donc quoi qu'il arrive, il y en a un des deux qui meurt et c'est un petit peu particulier de les retrouver dans ce jeu-là. Voilà, fin du spoil. Et bien ma foi, le jeu commence, c'est parti. Allez, allons-y. Qu'est-ce qui se passe ? Capitaine, envoyez une équipe dans la baie hangar numéro 7. D'accord. Voilà, donc comme d'habitude, on fait tout avec la force. Donc c'est la pièce qu'on a vue tout à l'heure dans la prémonition de Starkiller. Donc c'était là que devait être Juno, très certainement. Proxy ? Maître ? Je te croyais mort. C'est une longue histoire. Le capitaine Eclipse et le sénateur Organa ont trouvé... Sénateur Organa, Juno, bien connu. Où est Juno ? Qui est le père adoptif de Layla. Les impériaux ont sûrement conduite vers le pont. Et grand ami de Yoda. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire pour les fans de Star Wars, ceux qui ont vu les Star Wars, qu'avez-vous pensé du combat de Yoda contre l'Empereur ? Soyez honnête. Je sais que personnellement, je trouve qu'il aurait mieux fait, du moins George Lucas aurait mieux fait de désavantager Yoda, parce que mis à part le fait qu'il tombe, qui tombe de son espèce de plateforme quand il combat l'Empereur. Sinon, voilà, le combat est à sa portée. Je suis même persuadé qu'il peut vaincre l'Empereur sans aucun problème. Et c'est bien dommage d'ailleurs, parce que quand on sait qu'après, voilà, il essaye de le battre, puis il n'y arrive pas, puis il s'enfuit, puis... Je trouve ça un peu dommage. Mais bon, ma foi, il a voulu le faire comme ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire, hein, vous, comment vous l'auriez fait. Moi, je sais que personnellement, à faire la fin qu'on connaît pour les Star Wars, je sais que j'aurais mis Yoda en plus grande difficulté face à l'Empereur. Donc là, des vibro-droïdes. Les mêmes que dans l'épisode 3, où, quand Anakin et Obi-Wan vont essayer d'aller sur le vaisseau du général Grievous, parce qu'il a enlevé le sénateur, au moins qu'il a enlevé Palpatine. D'accord, donc ça, j'ai ce nouveau pouvoir là, la répulsion de force. Ouais, donc autant dire qu'il y en a quand même une grande chier là. Ok. Bon. Putain, mais. Ah bah là, je crains pas de perdre de la vie, hein. C'est bon ? Ça pue ? Allez. Ok. Hop. Donc là, toujours un ascenseur avec un peu de chance à faire comme tout à l'heure. L'ascenseur va tomber d'un coup. Hop là. Non, même pas. Oh, je me suis loupé. Je pensais pouvoir le repousser avec la répulsion de force, mais même pas. Faites voir un peu, 49 000. 49 000, qu'est-ce que je vais prendre ? Eh bon, on va prendre le combat au sabre, hein, parce que je me sers quand même vachement de mon sabre.
Autant qu'il fasse un max de dégâts, c'est quand même le but. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah ben voilà, allez, Juno elle est là. Mais comme de par hasard, le chemin s'est fermé devant moi. Donc là forcément je ne peux pas passer. Et ben ma foi, on va revenir en arrière. D'accord, alors qu'est-ce que c'était que cette bestiole? D'accord, alors eux ils se téléportent. Ça va être simple encore ça, tiens. Comment on va aborder ça? On va tenter la répulsion, voir si je peux les repousser quand il arrive derrière moi. Bon, même pas ma foi. Allez, puis on va l'embrouiller. Voilà. Ma foi, ça s'est plutôt bien passé. Ok, donc il y en a encore. D'accord. Il y en a encore. D'accord, puis même il y a même des... Voilà, c'est ce que je voulais faire tout à l'heure. L'électrocuter avec l'éclair pour l'empêcher de bouger. Lui, c'est pareil. Et puis derrière, on l'empale. Un bon coup de sabre. Donc ça, c'est bon. Donc là, je vais pas pouvoir passer parce qu'il me faut un fusible. Et où qu'il est, le fusible ? Donc il est pas là. Hop, il est là. Pour gagner du temps, on va, on va le jeter normalement. Ah bah je peux pas. Ouais, vas-y. Allez, avance. Voilà, rentre là-dedans. Donc voilà, une fois les fusibles mis, en fait, si vous voulez, le fusible, une fois mis dedans, bah, il n'est pas alimenté. Donc il faut utiliser bah, son pouvoir éclair pour bah, y mettre le jus de façon à pouvoir passer. Sinon, on se retrouve quand même bloqué. Bon, lui, on va l'empaler. Il me semble que j'ai vu des vibrodroïdes, non? Non. Non, par contre, il y a un paquet d'ennemis. J'aimerais bien balancer ça là-dessus. Voilà, c'est exactement ce que je voulais faire. Comme ça, au moins, j'étais persuadé que ça allait les attirer. Alors, me demandez pas pourquoi. Lui, du moins pourquoi pas lui, pourquoi mon personnage lui et bah comment dire, j'arrive pas à trouver le terme, bah, n'est pas soumis à la gravité, ça va être, on va dire ça hein. Lui voilà, les autres volent dans l'espace. Bon, je veux bien que ce soit un chevalier Jedi, mais quand même normalement ça devrait quand même au moins le toucher un petit peu, qui force un petit peu, mais même pas. Bon, ma foi, tant mieux pour nous. Hop là, d'accord. Ça m'aurait étonné qu'il n'y ait pas un con pour venir me faire chier. Un dégage. Un deuxième. Viens là, toi. Allez, on va l'empaler. Et par contre, on va essayer de s'occuper tout de suite. Voilà, ces putains de bestioles. Waouh. Allez, empalons-le lui avant que les autres arrivent. Voilà. Il est mort déjà? Eh ben, pas grand intérêt lui, hein. Allez. Voilà. Si ça va jusque là, tout va bien. Quelque chose là-bas.
Waouh. Quelque chose de gros, j'irais même jusqu'à dire quelque chose d'énorme. Hein. Oh, normalement, il n'y en a plus. Très bien. Oh la vache. Je sais pas. On va essayer de pas être trop curieux tout de suite. D'accord. Hop, hop, hop. Je me demande si je suis pas tombé. Je me demande si j'ai pas fait un petit saut dans le, un petit saut de l'ange là. Et on voit. Non mais ouf, ça a dû être limite limite. Hein. D'accord. Alors ensuite en face. Voyons voir. Allez, on va utiliser ça. On va en amener. Allez, un ou deux là-haut. Voilà, très bien. Un deuxième. On va amener les trois parce que je pense que si ils en mettent trois, c'est qu'il va falloir utiliser les trois. D'accord, voilà, ça c'est fait. Alors, voyons voir. Déjà, il m'en faut un là. D'accord. Allez, un petit coup de jus. Tiens, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir faire pareil pour ma voiture quand elle démarre pas le matin. Petit coup de décharge là. Plus un garagiste derrière. Je peux vous garantir que la batterie, elle va être vite rechargée. D'accord, donc là-bas. Ok, bah faut faire vite, hein. D'accord, allez go, ma foi, continuons. Hein. Ouf, ma belle chute. D'accord, bon, ça à l'ancienne. Ouais, je pense que c'est par là qu'il faut passer. Ouais, c'est ça. Wow, d'accord. Mon personnage n'aime pas trop le... l'espèce de petit trou qui tournait vite là. Alors, voyons voir. Là, ça s'arrête un moment ou... Non, ça s'arrête pas. Cela s'arrête pas, donc il va falloir que je passe là. Ok. Ouf. Là, j'ai eu très 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 chaud. Hein. Je suis pas passé loin de la correctionnelle. Hein. Allez hop, de ce côté. Oh, ils me font chier, eux. Hein. Allez, on va attendre que la pression de force remonte. Voilà. On va arrêter ce truc-là encore, comme tout à l'heure. Très bien. N'empêche, même ça, j'aimerais pouvoir faire. Hein. Moi, pour mon boulot, ça serait le top. Honnêtement, livreur avec un pouvoir comme ça, là, le pouvoir bouger les objets juste avec la, bah, la pensée, trop le top. Même plus besoin de forcer, plus besoin de se casser le dos. Le bonheur. Hop, donc là, il n'y a rien à faire, c'est de l'autre côté. D'accord, donc là, il y a une grosse bestiole. Ah d'accord, waouh. Bon alors attendez, allez, lui il va venir là, on va s'en occuper là. Et viens là toi. Aïe. Toi, allez, on va t'empaler un peu plus là, voilà. Et puis toi, puis on va t'empaler définitivement. Très bien. Bon, qu'est-ce que c'est que ce gros machin? Où qu'il est? D'accord. Moi je dis que c'est le moment d'utiliser la rage. Je sais pas pourquoi. Mais ça me paraît plutôt intéressant. Hop là. Voilà. Hop là. Coupons la rage. Très bien. Pas trop comme ça. Ça m'en laisse encore un peu pour tout à l'heure. Et puis surtout,
Surtout, ça m'a évité de perdre du temps sur ce truc-là. Donc ça, on va le lever. Ça va me permettre d'accéder aux plateformes du haut. Qu'est-ce qu'il y a par là? Rien. D'accord. Donc c'est bien par là qu'il faut aller. Ok. Qu'est-ce qui... D'accord, ça monte. J'aime pas bien quand ça fige l'image comme ça. Je sais pas, ça annonce un truc un peu... pas gore, mais parce que là c'est pas gore, mais... un peu dur, un peu chaud. Alors on va voir ça, je pense, assez rapidement. D'accord, donc lui... il s'est barré. Boba. Kota, c'est réglé. Envoyez l'ordre d'attaque ou je serai obligé de partir sans vous. J'ai dit à l'Alliance que cette opportunité ne se représentera pas de sitôt. La flotte va faire route vers Kamino. Bah très bien. Très bien, très bien, très bien. Mais tu es conscient que Vador cherche à t'attirer dans un piège? Ça, je le sais. Mais il ne s'attendra pas à voir toute la flotte rebelle. Je suis bien de ton avis. Est-ce que vous avez remarqué cette espèce de voilà, cette espèce de gros truc tout moche qu'il y avait derrière Starkiller? Et forcément, lui, il peut pas s'empêcher d'aller se jeter dans la gueule de ce gros truc là. Ah, c'est con, vous savez quoi? J'aurais aimé un truc drôle. Vous savez, comme on peut voir dans les parodies, la grosse bestiole qui vient juste mettre un petit coup de pointe là sur l'épaule de Starkiller. J'aurais trouvé ça très très drôle. D'accord, alors en plus il y a des vibrodroïdes, il y a cette espèce de bestiole. Il a des boucliers. Je dois trouver un moyen de les désactiver. Ah, on va déjà parcourir un peu la pièce. D'accord, allez là. Là il y a des fusibles. On va les enlever. Je suppose que ça doit avoir quand même son utilité pour cette espèce de bestiole. Par contre, il y a un point un peu négatif. Je trouve que c'est dommage que notre perso ne puisse pas courir. Parce que bon, il court, mais un peu sprinté par un pouvoir de la force, là, qui est un truc qui puisse le faire sprinter. Ou alors, si vraiment ça peut se faire, c'est que je l'ai vraiment pas trouvé. Je peux provoquer une impulsion électromagnétique avec ces pylônes. Une impulsion électromagnétique, d'accord. Donc je suppose qu'il y a quand même quelque chose comme ça à faire. Sinon, les fusibles seraient pas là pour rien. À toute façon... on va quand même... voyons voir. Au milieu. Ah, maintenir. Voyons voir un peu. Qu'est-ce que ça... d'accord. Hop, 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 hop. Alors on va rester quand même hors de portée de cette espèce de grosse bestiole, là. Ça me paraît plutôt intéressant. Hop, 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 c'est pas ça. Bon, il veut pas venir un peu plus là que j'ai le temps de faire un peu le tour là. Voilà, allez. Mon but c'est quand même d'essayer de lever ces putains de trucs là. Avant qu'elle arrive. Allez, avance. Encore. Copine. Copine. C'est laid quand même. Il y a une grosse fourmi. Oh. Oui, bah deux secondes, hein. La force, je suis en train de l'utiliser. T'énerve pas, papy. D'accord. Donc cette espèce d'implosion électromagnétique a désactivé son bouclier. Ah, putain de bestiole. Eh ben, waouh, c'est pas gagné quand même, hein. Wow, là je t'ai pris une déchirée là. Et puis en plus forcément, allez, c'est le moment. Allez, 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 allez. Allez, 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 faut pas que je m'arrête parce que sinon c'est un coup. Enfin, j'arrive à y enlever au moins la moitié de sa vie sur ce passage là. Ça serait pas mal, au moins une bonne moitié de vie. Allez, 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 allez. Putain, j'ai pas pu. Oh, fais chier ces putains de trucs de merde là. Oh là. Allez, viens là, là, toi, que je t'empale. Et ouais, putain.
Toi, si t'es jaloux, j'en ai encore pour toi. Voilà. Je suppose maintenant que ces trucs-là vont servir à quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que c'est qu'acheter ces missiles? D'accord. Ouais, mais là, je vais jamais y arriver. Putain. Qu'est-ce qui est à moi? Ah mais oui, mais il est pas fini. D'accord, il a pas réactivé son bouclier. J'étais persuadé qu'il l'avait réactivé, moi. Merde. Ok, voilà, par contre, il m'a mis une grosse déchirée. Donc là, avec un peu de chance, faites voir. Non, ça va, il a pas réactivé. Si, ça y est. Le contraire m'aurait étonné. Allez. Ouais, c'est pas lui qui cherche à toucher là. Il cherchait déjà à remettre les trucs. Ouah, l'explosion. Ça s'appelle pas de la chance, ça. Putain, fait chier, par contre, j'ai plus de vie. Ouais. Dégage. Voilà, faut que je récupère de la vie parce que sinon. Ouah. Ouah, mais elles font chier ces putains de bestioles. Elles bouffent de la vie pour rien. Et là, à mon avis, je suis dans la merde. Et ouais. Ah oh, putain, elle est déjà là la bestiole. Hein. Puis en plus, elle sprint, cette espèce de conne. Faut que je récupère de la vie parce que sinon je vais crever. Ah, et mais c'est une catastrophe ces trucs là. Redonnez-moi de la vie plutôt que de me faire chier là. Allez, rentre dedans. C'est le moment. Voilà. Donc là on a remis le jus. Et pour le coup, il a reperdu son. Voilà. Il a reperdu son truc, donc du coup, il ne me voit plus. Allez, c'est le moment de l'attaquer. Allez, faut le finir là. Hein. Là, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Là, faut vraiment que je le finisse. En plus, je récupère de la vie grâce à ces putains de bestioles. Allez. C'est bien le but. Ouah, mais là, d'accord. Je n'ai pas récupéré. Oh, mais elles me font chier ces putains de trucs là. Quand même. Allez, c'est le moment ou jamais de le faire tomber. Voilà. Allez, ça y est. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Il est jaloux? D'accord, donc moi, il faut que je m'occupe de tout ça. Je vais lui faire une petite promenade. D'accord, donc j'ai que ça comme attaque ou il en a d'autres? Oh la vache, en plus c'est lent. C'est lent comme tout, cette espèce de gros machin là. Ok, reste dessus, Starkiller. Continue, il est à ta merci. Allez, parce qu'il doit y avoir. Il y a une espèce de trois trucs là. Voilà. Quoi, il est jaloux lui? Voilà. Lui, il est détruit. Très bien.
Qu'est-ce que je peux faire d'autre encore là? À la casse, oui, ça me paraît bien le trophée, mais. Envoie-le dans le réacteur. J'arrive. Ok, j'y vais dans le réacteur. Peut-être comme ça? Non. Envoie-le tout droit dans le réacteur. C'est le moment. Bah voilà. Ma foi, ça s'est plutôt pas mal passé. Regardez. Un plan qui se déroule sans accroc. Nickel chrome. Regardez, le truc il est détruit. Et en plus maintenant il va m'aider. Et allez, elle est où la sortie? Elle doit être là où il était. Par contre, il faudrait que je le retrouve, ça serait pas mal. D'accord, c'est là. Ok. Très bien. Hop là. D'accord. On va récupérer l'holocron. Ça sert à rien, faites voir un peu. Le sabre laser, j'en ai récupéré un rouge. Régénération. Marquez des points de force supplémentaires en éliminant vos ennemis. Si. Améliore la régénération de votre santé. D'accord, donc ce qu'on va mettre, c'est ça. En notre main. Très bien. Vos pouvoirs de force. Et c'était quoi le rouge? KO. Marquez des points de force en détruisant votre environnement. Non, c'est pas ça. Autant mettre ça que mes points de force, main principale. Regardez, nickel. Nickel chrome. Normalement, j'aurai ma santé qui va se régénérer un petit peu. Et en plus, je vais utiliser moins. Ça va utiliser moins de force quand j'utilise tous les pouvoirs de la force, les éclairs, les. Eh bien, on peut voir que l'alliance est là, proche de Kamino, mais qu'effectivement, l'Empire est là aussi. Regardez-moi ça, le croiseur interstellaire, celui-là est à côté. Ils ont bien du mal, hein, l'alliance, ils se font un petit peu péter la gueule. Hein. Avec le X-Wing, encore lui, ça va, il arrive à échapper. En même temps, il tire tout à côté. Il tire dessus. Vous avez vu? Il a tout mis à côté. Même moi, je vise mieux dans Call of. Pourtant, pas forcément une référence. Hein. D'accord, allez, go. Allez, c'est parti. Là, bon, lui déjà, le site sera été super rapide. Hein. Là, honnêtement, j'ai aucun mérite, c'est même pas moi qui l'ai eu. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Ah bah là, par contre, c'est pas la bonne idée, on va pas rester là. Hein. Je sais pas pourquoi. Ouah, oui, si je peux monter là, c'est pas un mal. Eh ben, il va me laisser. Je vais pouvoir monter. Mais putain, elle me fait chier cette plaque. Oh la vache, j'ai cru que j'allais pas réussir à monter. Oh. Bon, voyons voir. Là, moi, l'intérêt. Ouais, c'est d'essayer d'échapper à ça. Qu'est-ce que j'ai comme. Ok, voyons voir. Donc là, lui, il faut que j'arrive déjà à le détruire, lui. Ça serait pas mal. Allez, envoie ton deuxième missile, toi. Reprends-le dans la gueule. Ouah, j'avais pas vu qu'il il peut me toucher de là. D'accord. Là, honnêtement, je suis grave dans la merde. Mais alors, grave de chez grave. Hein. Super. Alors, si en plus il me touche de là. Ah.
Forcément, il va reculer, lui. Ouais, là, voilà. Mon but, c'était de, au moins de le détruire, lui. Parce qu'après, il va pas me manquer grand-chose pour réussir à augmenter ma source et être presque à fond. Toujours pas, ma foi. Ça risque d'être compliqué, là, quand même. Allez, lui, faut que j'arrive à l'éliminer assez rapidement. C'est fait. Ah oui, la grenade. On va éviter les bombes. On va essayer de faire le AT-AT. Ouais, d'accord. Lui, il peut m'écraser, effectivement. Donc, c'est pas le but. Vite, 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 vite. Et ouais. C'est un peu ce que je craignais. Putain, mais en plus, il fait mal, hein, lui. Hein. Faudrait quand même que j'arrive à faire quelque chose. Ça serait pas mal. Enfin, là, c'est... Putain, la vache, c'est chaud, hein. Bon, l'avantage, c'est que... Par contre, sur le combat d'après, je risque d'avoir ma jauge. Alors, si toutefois, il y avait un autre arrivage comme ça, j'aurais ma jauge pleine pour utiliser ma rage. Et effectivement, ça peut être assez intéressant, parce que je pense que si j'utilise la rage, ils vont pas faire long feu. Allez. D'accord, donc ça c'est bon. Ça aussi. Voilà. Voilà, ça s'est plutôt pas mal passé. Ouais, ça m'aurait étonné. Qu'est-ce que je peux utiliser? Ruche Jedi, je m'en sers jamais. Et ouais, la projection, quand même, ça me paraît important, je m'en sers. Hein. Donc effectivement, il y a bien un deuxième convoi de bestioles, là. Bon, bah c'est le moment. Hein. Là, ça va être le moment d'utiliser la rage. Allez, go! Au moins pour lui. En espérant ne pas tout faire comme ça. Allez. Allez, vite, 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 vite. Ah bah là, t'as plus qu'un homme à terre, mon grand. Vite, 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 vite. Encore vite, encore vite, encore vite. Pff, ça va. Donc, il y a du monde là. D'accord, toi par contre, mon grand, je vais me faire un malin plaisir. Voilà. Dégage, donne-moi un peu de vie. Oh, lui, je l'ai décapité, mais alors... Regardez bien, je vais même m'en occuper comme ça. Voilà. Donc, ça s'est plutôt bien passé, il n'y a plus personne. D'accord. Donc faut que je détache ces trucs là, là. Donc je suppose que c'est par là. Un petit coup de force. D'accord, donc faut passer par l'autre côté. Ok. Ma foi, nickel, regardez. On va même pouvoir déployer maintenant les E-Wing. Les Y-Wing, faut le dire à l'anglaise. Allez. Maintenant, hein, ma foi. Je suppose qu'il y a une navette qui m'attend quelque part. Pour me joindre à leur combat. Ouais, bon, on va essayer. Hein. D'accord, donc... Ok. Ok. Toi là-bas. Et toi là. Waouh, waouh, waouh. Et voilà. Je suis mort. Pourquoi? Tout simplement à cause des trois là-bas qui me tiraient dessus.
J'espère ne pas recommencer à cet endroit-là. J'espère que ça va avoir sauvegardé, parce que s'il faut que je me retape... Non, ça va. Allez, viens là, toi. Ok. Voilà. Ce coup-ci, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire tout à l'heure et j'ai pas eu le temps. D'accord, mais comment je fais pour réussir à passer? Moi, je veux bien, mais je suis pas... Bah, y a aucun moyen, là. Comme ça? D'accord. Ok. Ah bah ma foi. Gardez la tête sur les épaules, ça dépend. Si je les décapite, ça va pas être commode, hein. Je tiens à le dire. Ok. Donc lui, on va le remettre là-dedans. Pour faire comme tout à l'heure, très bien. J'adore qu'un plan se déroule sans accroc. Une surcharge des pièces de réacteur, d'accord. Pour le coup, si je fais ça, ok. Donc maintenant, un holocron. Maximal a augmenté, ça c'est très bien. Je pense que ça va m'être utile. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Ah rien. Ah si. Si si. Il y a forcément quelque chose. Le contraire m'aurait étonné. Et il m'attend d'ailleurs. Regardez. Tu es pas mignon. Tu m'attends? Mais tu veux rien. Je vais tous te les renvoyer à la gueule, tes machins. Hop là. Franchement. Franchement, ça aurait pu être un tout petit peu plus compliqué. Hein. Ça m'aurait quand même pas... Pas dérangé. Viens là, toi. Traverse le champ, là. Oh, tu dors. Qu'est-ce que j'en fais de toi? Ah ouais, ça m'a plu, ça. J'avoue que ça m'a plu. Bon. Là, d'accord. On va faire péter ça. Ok, il y a peut-être moyen de faire la même chose là. Non. Donc, ah, mais d'accord. Ça me permet de passer là. Ensuite, de faire péter ça. Ça. Ok, qu'est-ce qu'il y a là? Pour le moment, rien. Ouais, mais là, c'est une boucherie. Ah, c'est même plus une tuerie, c'est une boucherie, là, que ça s'appelle. Oh, oui, on va voir. Ils ont été détruits ou pas? Ouais. Ok, ok, ok. D'accord, donc, il doit y avoir un autre truc à faire, très certainement, faire péter ça. Voilà. Et il y a une sortie par là. Ok, c'est très bien. Hop. 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 Ça me paraît un peu simple quand même. Je sais pas pourquoi. Je verrouille la salle du réacteur pendant que tu fais le ménage. Je ne sais pas pourquoi, je ne le sens pas, mais alors pas du tout. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Allez. Là, il y a du monde. Hein. Autant être clair, là, il y a du people.
Ouais. Là, honnêtement, si jamais je meurs pas là, ça reste quand même un beau petit miracle. Hein. Moi, ce que je veux, c'est d'abord m'occuper de lui, là. Là. Une fois que je me serai occupé de lui, après, c'est pas la même. Voilà. Après, ça sera forcément un peu plus facile. Parce qu'après, on va dire que c'est que des ennemis lambda, quoi. Rien de bien méchant pour un Jedi. D'accord. Par contre, faut que j'arrive à trouver où sont les snipers. Ils sont là. Très bien. Voilà. Allez. Après, voilà, c'est du guerrier Sith. C'est rien de bien méchant. Et encore, c'est même pas du guerrier Sith. C'est du... ouais, du je sais pas quoi, Sith. Regardez. Là, je les ai jetés contre le machin. Normalement, ils ont dû brûler un petit peu. Voilà, lui, lui il va morfler. Je sais pas ce que j'ai vu là-bas, c'est quoi qui est allé se cacher derrière là-bas? Ah non, c'est un cadavre. Toi par contre, tu vas trouver le temps long sans ton sabre, hein, si j'arrive. Hein. Allez, paf. On emballe, on s'emmerde pas là. Et là même, regardez. Ah non. Ah, lui il est bien là, voilà. Je pense qu'il était à point. Bah lui, il lui manque plus que la tête. Hein. D'accord, donc lui, il n'y a pas moyen. Il veut pas se laisser faire. Bon, bah, si tu veux pas te laisser faire. En silence. C'était le dernier. Il faut y aller maintenant. Eh ben, on y va. Hein. Pas de soucis, général. Je suis à toi. Un cristal de sabre, ouais. D'accord. Ça me paraît quand même vachement simple là. Enfin, vachement simple. Il y a quand même eu du monde, hein. Quoi, t'es jaloux lui? Qu'est-ce qu'il veut? Par contre, j'y vais comment en face là-bas? Ah, d'accord. Hop là. Salut les copains. Je dois avouer que j'ai beaucoup aimé. Ouais, mais là, vous voulez que je fasse comment là? Parce que là, j'ai vraiment aucune solution quoi. Et ouais, je suis mort. Mais les autres, au fond, je peux pas les tuer. Là honnêtement, les snipers forcément ils vont avoir, ils vont l'avoir facile là. Bon, faut peut-être pas que je descende tant la plateforme pour pas qu'ils puissent me voir. C'est peut-être la solution. Voilà, alors on va la descendre un petit peu. Oui, on va. Mais hop là. Voilà, comme ça ils ne peuvent pas me voir. Là, ils sont un petit peu emmerdés pour réussir à me choper. Ouais, mais là, je veux dire un truc, ils peuvent tous venir. Allez, venez, venez, venez. Quoi, t'es jaloux toi? T'en veux aussi? D'accord. Alors maintenant. Ah mais y'en a un là. Bon dis donc toi copinou. Toi t'es pas très très gentil game hein. Venir m'attaquer par derrière, moi je dis que c'est moche. Hein. Hop là. Ah on dit j'essaie. Quand on n'est pas sûr. Parce que toi par contre ce qui est sûr c'est que tu vas voler.
Ah ouais, ouais, les gars. Moi, je trouve que vous vous enflammez quand même beaucoup, là. Ouais. Bien loupé. Au revoir, au revoir, président. Ah, j'ai bien loupé mon saut. Hop là, on va. Alors lui, le problème, c'est qu'en bas, là-bas, il me fait chier. Et ouais. C'est lui, là-bas, qui me casse les couilles, là. Ça me fait chier à changer ma vue, en fait. Dégage, toi. Et toi, là-haut, fais pas chier. Ah, mais... Est-ce qu'on va réussir à être tranquille? Un petit peu. Voilà. Bon, maintenant. Capsule d'abordage ennemi détectée dans tout le secteur. Ah ouais, t'es gentil, mon grand, mais... Qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? Ah, là, c'est plus un ennemi, c'est... Allez, viens là. Donne-le, ton truc, toi. Et prends-le dans la gueule. D'accord. Ah, en plus, là... Ouah, mais qu'est-ce que je prends, là? Là, je morfle, là. Et ouais, j'ai pas de possibilité de pas de fuir, mais de m'écarter. J'en ai pas beaucoup, là. L'espace est quand même assez restreint. Voilà, allez. D'accord, donc là, c'est encore une méthode différente que de... Oh, je l'ai loupé. D'accord, donc là, on prend les mêmes, on recommence. Oh mais merde, tout à l'heure c'était carré, là c'était croix. Allez, on va pas, on va y arriver ou pas? Ah non, hein, je vais pas y arriver. Eh, mais je suis polio là. Voilà. Non mais. Et maintenant. Rien du tout. C'est con, j'aurais bien eu le découper en deux, mais... Ah bah tiens, un holocron. Très bien. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore, là? Ouais, d'accord. Allez, dégage. Prends-le dans la gueule, ta merde, là. Allez. Bim, bim. On fait ce qu'on peut, mon grand. Allez, là. Lui, là. C'est le moment. Ouah. D'accord. Bon, j'ai réussi à le faire lui. Ah mais c'est pas des... D'accord, c'est... ils gèlent pas eux aussi. Non, eux ils doivent pas geler là. Ils doivent pas essayer de me geler. Par contre je pense que lui s'il peut... D'accord. Alors par contre là, on va pas s'emmerder là. Parce que sinon je vais perdre. Je le sentais bien comme ça. Allez, venez là, vous les copains. Là. Voilà, toi. Reste tranquille. Dégage. Bon, toi, c'est bon. Hop. Donc, on est revenu dans ma pièce de départ. Normalement, ça suffit. Waouh. On peut peut-être les contourner, non ? Ouah, qu'est-ce que c'était que ça? D'accord, alors eux, c'est pas les mêmes que d'habitude. D'accord, c'est plein de mines, en fait. Ah non, c'est pas des mines. J'ai cru, mais non, c'est pas des mines. Allez. Allez, vite, 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 vite. Voilà. Non, feu sur la cible. On dit peut-être quand on n'est pas sûr, toi. Oh la vache. Hé, je suis là. Voilà. Qu'est-ce qui reste, là? D'accord. Putain, mais la vache.
Ok. Toujours sympa ce petit lancer de sabre. Ils sont morts ou pas? Non. Voilà, ce coup-ci ils sont morts. D'accord, eh ben, là c'est pas fait non plus, hein. Là faut quand même que je réussisse à les péter, pas à les péter, à les tuer eux là. C'est eux qui vont me faire le plus chier. Ouais, ouais, voilà. Et encore, c'est même pas sûr. Voilà, eux, il fallait. Après, je vais m'occuper de mes amis Sith. Peut-être que je peux réussir à faire quelque chose. Ouais. Peut-être même à réussir à augmenter suffisamment. Waouh. Allez, qu'est-ce qu'il reste? Il reste que lui. Il n'y a plus de... Non, il n'y a plus de site. Parfait. Ouais, d'accord. Putain, lui, il fait chier. Cette espèce de con, là. Ah, mais merde. Et puis le problème, c'est que... Ouais, j'arrive pas à le... Voilà, j'arrive pas à l'enchaîner, hein. Oh, mais là, je vais mourir, hein, à tous les coups. Vous pouvez y aller. Regardez bien. Si jamais j'arrive pas à récupérer un peu de vie, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Lui, il faut que j'arrive à le détruire. Comme tout à l'heure. Et faut pas que je me loupe. Voilà. Là, fallait vraiment pas se louper, hein, parce que c'est pas avec le peu de vie qui me reste que j'aurais pu faire quelque chose. N'empêche, je suis quand même assez surpris. Le jeu est relativement long. On en est encore à une vidéo d'une heure. Ce qui n'est pas rien quand même, hein. Là, il s'agit pas de dire c'est des vidéos courtes. Non, non, loin de là, hein. Je viens de là, donc ouais, effectivement. Allez, ouvre. Il doit y avoir un passage par là. Peut-être là, non? Ouais, c'est ça. Regardez bien, lui il est bloqué là. Il est bloqué derrière, je vais aller le chercher. Je peux pas. Tu veux pas te... Ah, en plus il veut pas sauter. Bon allez, ça va me donner toujours ça de vie. Hop. Donc on est revenu dans les pièces du départ. Si vous vous souvenez bien. Normalement. D'accord. À toutes les stations, que les soldats se mettent en position. L'Empire va nous aborder. Donc là, il doit y avoir un truc à faire, ouais. Où ça? Ok, donc c'est comme ça. J'ai un mauvais pressentiment. Te voilà aussi pessimiste que Proxy. Les canons sont opérationnels et nous sommes toujours en vie. Je ne suis pas pessimiste, mais pragmatique. Désolé si nous avions une nature. Capsule d'abordage. Tiens-les à l'écart du canon principal. Ben, je m'en occupe, hein. Assaut impérial imminent. Voilà, c'est bon. Eh, tiens. Ah, mais là, j'ai plus de... D'accord. Ok, il y a peut-être un moyen de... Ah ouais, mais il faut peut-être que je l'oriente, non? Il est orienté. Hop, 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 arrête-toi, toi. Allez, vite, régénère-toi. Ok. Je suis pas sûr que ce soit comme ça que j'aille bien vite, mais ma foi... Y'a rien d'autre à faire pour le moment, hein. Ah mais si. C'est peut-être juste ça, non? Il
Ma foi, très certainement. Aïe aïe, oh putain. Qu'est-ce qu'il fait lui? Mais oh, tu rêves toi non? Reste tranquille, j'ai dit. Fais-toi petit. Je sais pas ce que j'ai vu rentrer dans la pièce là, mais j'aime pas. Ah ça va. C'est qu'un comme ça. J'ai surtout eu peur que ce soit autre chose. Ouais d'accord. Enfin c'est qu'un comme ça. Je dis c'est qu'un comme ça mais... C'est ce truc comme ça. Allez, putain, dis-moi que j'ai récupéré assez de... Toujours pas. Putain, fais chier. J'ai toujours pas suffisamment de rage. Ça y est. Il est où lui? Voilà. Reste tranquille, on t'a déjà dit. C'est fou ça, hein. Donc maintenant faut que je monte. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec croix là? Pourquoi il me disait croix? Ma foi. C'est par là? Très certainement. Mais là ça me sert à rien là, honnêtement. Ok, mais mis à part ça, qu'est-ce que j'ai à faire là? Parce que tout à l'heure il m'indiquait croix à un endroit là. Je vois pas bien ce que j'ai à faire là, mais bon. D'accord, celui-là est cassé. Mais c'est génial, j'ai plus de canon. Mais qu'est-ce que je suis censé faire là? Parce que là, ça sert pas à grand chose. Ok. On peut pas dire que c'est ça qui va me servir à quoi que ce soit, mais... Là, il n'y a plus rien. Je peux pas le déplacer, ça. Ah, mais si, c'est là. C'est ça. Haha, regardez. Regardez bien la capsule. Hop là. Viens là, toi, putain. C'est chiant. Mais que c'est long. Mais que c'est long à faire. Allez, avance. Voilà, regardez. On va mettre ça là-dedans. On va l'activer. Et derrière, je vais pouvoir... Voilà, utiliser pour avancer. Par contre, est-ce qu'il y a un moment où ce niveau a une fin? Vraiment, je suis vraiment en train de me poser la question. À toutes les stations, les impériaux nous abordent sur tous les ponts. Verrouillage de toutes les zones critiques. Oh la vache. Par contre, ce serait pas mal, là. Ouah. D'accord. Eh ben là, je suis pas dans la merde. Un petit peu, si, mais bon, tant pis. Hein. On va bien voir. On va bien voir ce que je peux faire avec ça. Boum. Nickel. Pour le moment, ça va. C'est plutôt bien passé. Waouh. Ah non, hein. Et je vais pas mourir là. Oh, waouh, waouh, waouh. Reste tranquille, toi. Viens là. D'accord, super. Dans le dos. Quel tocard. Voilà. Non, mais... Là, d'accord. Pour le moment, j'ai rien à faire, là. Mais va te faire foutre, toi. C'est fou, ça, hein. Faut pas rester un peu tranquille, hein. Alors, par contre, comment je monte? Ouais. Ok, d'accord, donc. Ah, peut-être mieux que je m'en occupe vite fait. Le canon principal ne répond plus. Sans lui, on a aucune chance. J'y vais. Qu'est-ce que tu peux faire? Je ne suis pas dépanneur, général. Si ce canon n'est pas opérationnel, nous allons tous finir en débris spatiaux. Alors rends-toi sur place et vois ce que tu peux faire.
Et je me moque de savoir s'il faut le manœuvrer à la main. Allez, qu'est-ce que je peux faire là? Allez, 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 allez. Voilà. Et relâchons, et un tir, boum! Ah, je pense que celui-là... Voilà! Bah quand même! Le croiseur interstellaire, on n'en parle plus. Et qu'est-ce que je fasse là? D'accord. Ah ouais. Tout à l'heure c'était fermé, donc je suppose que maintenant, si c'est ouvert là... Je sais pas pourquoi, mais je le sens toujours pas. Hein. Monter comme ça, changer de... Eh ben, faut bien voir. On va être vite fixé. Ah. Ben, j'espère que je vais enfin pouvoir récupérer mon vaisseau. Ouais, alors ça... J'ai bien envie de vous dire que c'est pas fait, apparemment. Voilà. À dégager. Même si c'est qu'une petite, hein. Vite, 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 vite. Ouf, parce que là, ils me font chier. Dégage-toi. Voilà, on va attendre un peu. D'accord. Putain, mais il y en a combien de ces merdes là? Vite, 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 vite. Ah, voilà. J'ai pas là. Ça y est. Pouh. Est-ce qu'à un moment on arrive à la fin de ce niveau? C'est impressionnant, et je suis à 1h12. Oui, ça y est. Ça y est, ça y est. Bah écoutez, je vais vous laisser profiter de la cinématique pour la fin de la mission. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à la partager, à mettre un pouce bleu, à la partager pour faire pour qu'il y ait de plus en plus de monde qui puisse voir mes walkthroughs. Et en attendant, merci d'avoir regardé la vidéo. Portez-vous bien et à bientôt. Allez, salut tout le monde. Quittez le vaisseau! Quittez le vaisseau! Tu es vraiment sûr de toi? C'est la seule idée qui me vient. Préparez-vous à faire le ménage après moi.